nutriments et de l'oxygène à toutes sortes d'animaux qui vivent dans les flaques. Mais quel habitat hostile que ces cuvettes tour à tour écrasées de soleil et secouées par les vagues. À la saison des tempêtes, la marée haute déferle avec une telle violence que les moules risquent d'être emportées. Mais elles sécrètent des filaments composés de protéines et les étalent autour d'elles à l'aide de leurs pieds. Une fois les filaments séchés, les moules sont fixées aux rochers et collées entre elles. Cela ne les protège pas des autres dangers. Au repos, les étoiles de mer semblent inoffensives, mais lorsqu'elles se mettent à fouiller les rochers pour trouver à manger, elles s'avèrent être de redoutables prédatrices.